vlog. Donc nous sommes lundi. Donc oh, je suis floue. Mon copain est parti travailler et il y en a plein qui disent ah, pourquoi tu dis mon copain? Tu l'appelles pas par ce prénom? Parce que tout simplement, perso, je trouve que ça est bizarre. Enfin, je l'appelle jamais par son prénom en fait. Donc voilà. Il y en a qui disent ouais, c'est gênant et tout. Bah écoutez, moi j'ai pas cette habitude. C'est comme ça. Oui, là j'étais en train d'essayer de chercher. Je sais pas ce que j'en ai fait. De mon câble qui recharge ma petite batterie. Parce que j'en ai deux du coup de batterie, mais il y en a une qui est pas chargée. Donc c'est un peu bête de la garder pas chargée. Mais je sais pas ce que j'ai fait de la batterie maintenant. C'est bon, batterie en vue. Je vais la mettre à charger. En fait, le câble que j'ai retrouvé, c'est un câble qui a un souci. Et en fait, il était branché à coup, j'étais dans le train. Et en fait, la batterie est tombée. Du coup, ça a tordu le câble. Du coup, le câble ne marchait plus. Donc je sais pas. Où est l'autre câble? Non, je crois que ça c'est le câble de pour brancher ma caméra, mais des fois il y a des câbles qui vont avec d'autres trucs, donc on va tester. Bon bah c'est le même câble, c'est nickel, ça charge. Hop, me voilà prête et oui, j'ai pris un coup de soleil sur le nez au ski, c'est magnifique. Je vais encore guetter une fois. Enfin, encore guetter, je vais guetter. Ça va, il fait frais, mais bon, je pense que je vais rester en sweat comme ça. Parce que je vais remettre ma veste par-dessus. Voilà. En tout cas, je vois que il y a du soleil. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Mon téléphone, mes écouteurs, mes clés de voiture. Puis mes clés d'appart qui sont là. Donc ben voilà, c'est parti, let's go. Hier, j'étais en train de me dire que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de séance abdos. Donc je vais peut-être faire abdos, puis revenir faire un peu les bras. Ou alors je fais que abdos, c'est assez rapide. Hop, ça y est, je viens d'arriver. Je me suis mis au parking payant parce que tout simplement, qu'il est plus près, que j'avais pas envie de perdre du temps à chercher de la place là-bas. Il y a du soleil à fond. J'ai sorti les lunettes de soleil. Donc là, je vais payer tout de suite le parking. Voilà, pour ne pas oublier. Et c'est parti. Je pense que je vais faire une petite séance abdos, gainage, tout ça. Voilà, ce sera assez rapide. Et voilà, voilà. Je verrai si je refais quelques petits exos à côté ou pas. On verra bien, on verra bien. Mais bon, je vais faire quand même une séance assez rapide. Comme ça, après, je rentre chez moi. Faut aussi que je fasse à manger, tout ça, tout ça. Tout ça, tout ça, quoi. Que je prépare mes affaires de stage. Normalement, c'est à peu près prêt. Pourquoi il veut pas trouver mon empreinte de doigt, lui? Bref. Du coup, j'ai mis le code, c'est pas grave. Faudrait que je supprime parce que dans cette appli, en fait, on met les voitures et du coup, il y a l'autre C3 d'avant. Mais ça sert plus à rien que je la garde dans cette appli. Hein. Allez, hop, c'est fait. On y go. Bon, voilà, séance terminée. Je sais pas si vous allez entendre parce qu'il y a quand même un petit peu de vent. Mais il fait tellement bon au soleil, je vous jure, ça donne pas envie d'aller en stage sap. Ça donne envie de se poser au soleil. C'était pépère là. Donc voilà, du coup, j'ai fait séance abdos. Là, je sens mes abdos sont tout durs. Hop, me voilà rentrée. Je crois qu'ils sont en train de faire le ménage genre dans les, comment dire, les parties communes, on va dire, ils faisaient les vitres et tout. Parce que là le sol il est vraiment sale. Franchement, ils l'ont pas lavé depuis qu'ils ont construit, je pense. Donc c'était un peu sale, genre il y a de la poussière partout. Du coup après t'as les chaussures sales et puis machin. Et puis bref, tu remets de la saleté dans la maison. Donc là je pense que je vais commencer à monter aussi ce vlog. Je vais ranger un peu parce que là, comment dire, qu'il y a le pied des traînes, tout ça. J'aimerais bien passer le balai et tout ça, mais je sais pas si j'aurai le temps quand même parce qu'il est déjà presque 11h, qu'il faut aussi que je me douche et que je fasse à manger. C'est vraiment très bizarre et en plus j'avais mis un petit peu d'anti-cerne quand même ce matin pour qu'on voit moins le rouge de mon nez, mais alors quand même bien rouge, puis j'étais un petit peu sur les joues aussi. Donc voilà. Merci Emma qui ne met pas de crème solaire. Et il y en a beaucoup du coup qui ont cru qu'on partait au ski genre la semaine et tout, sauf que moi j'ai pas de vacances les gars. Puis là où on allait, donc Métabier, c'est genre à 1 heure à peine de chez nous, donc c'est pas loin, on peut y aller pour la journée. Donc c'était plutôt cool, voilà. Et je vous ai pas raconté du coup, Lily, bon elle est tombée plusieurs fois sur les pistes, mais bon ça c'est normal. Quand on lui fait faire des pistes un peu gelées ou quoi, à son âge c'est un peu normal. Pareil, il y a un tire-fesse, elle arrivait pas à le prendre, je sais pas, elle arrêtait pas de tomber. Enfin, en même temps ça me soulevait moi, donc ça la soulevait elle aussi. Je sais plus si je vous l'ai déjà dit ça. Et sinon, alors un coup dans le télésiège, elle monte avec ma maman et là on entend que ça crie derrière. Et au début je savais pas si Lily elle criait genre parce qu'elle rigolait ou quoi. Et là on se retourne et on voit ma maman qui tient Lily, Lily qui était à moitié pendue.
Le gars, il a vite arrêté le télésiège, il a tenu les bâtons de maman. Ma maman a soulevé Lily. Oh là là, j'ai eu trop peur. Je crois qu'elle allait tomber. Parce qu'elle est toute petite, petite crotte dans un grand télésiège, voilà. Et sinon, un autre coup dans le télésiège. On se retourne, on regarde Lily et on voit qu'en fait, elle avait fait tomber un ski au départ, quoi. Je sais pas comment elle s'est débrouillée. J'ai un bleu sur la jambe. Bref, on s'en fout. Je sais pas comment elle s'est débrouillée, elle a perdu un ski, du coup, le gars... Il y avait personne qui prenait le télésiège derrière nous. D'habitude, ils donnent aux personnes qui sont derrière, puis ils nous les redonnent. Puis du coup, en fait, dans le télésiège, tu peux ouvrir les sièges. Il l'a mis dedans, puis il l'a refermé. Et on a pu le récupérer. Et quand on arrive en haut, on voit un petit garçon qui avait fait exactement la même chose. Je pense que c'est de l'orage. C'est un truc. Enfin bon, moi perso, c'est un truc qui m'est jamais arrivé. J'ai jamais fait tomber ni mes skis, ni mes bâtons ou trucs comme ça. Puis là, ça va, c'était au départ. Parce que si tu fais ça en plein milieu du télésiège et que c'est un endroit qui est pas accessible. Bah, c'est un peu compliqué. Enfin bref, je vais arrêter de parler. Je vais me lever, faire ce que j'ai à faire. Et puis voilà. Je vais déjà guetter pour me donner une idée de ce qu'on peut manger à midi. Mais le truc, c'est que niveau viande et poisson, il nous reste plus que du steak et du colin. Sachant qu'on a mangé du colin hier soir. On a mangé du steak avant. Je sais plus quoi qu'on va faire. Bah, hier aussi. Donc du coup, ça devient vite. Enfin, on a vite fait le tour quoi. Du coup, je sais pas trop. Non, là, c'est du sucré. On va pas manger ça. Sinon il y a des lentilles. Peut-être faire des lentilles. On a des plats, on a des quenelles de veau aussi. J'ai jamais fait de lentilles. Enfin j'ai déjà mangé des lentilles mais j'en ai jamais fait en fait. Donc c'est quand même gras là. Puisque là c'est des lentilles cuisinées à l'auvergnate. Donc en fait il y a déjà du gras, c'est pas des lentilles basiques qu'il a acheté. Réchauffer 3 minutes. En fait c'est... Ouais c'est bien prêt quoi. C'est pas comme des lentilles que tu fais... C'est un peu moins bien, c'est un peu gras ça. Mais après, je fais avec quoi des lentilles quoi. D'ailleurs, on avait des œufs, sauf que il y en a qui sont périmés. Et en plus, le pire, c'est qu'il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste 8 œufs périmés, donc voilà, c'est un peu nul. Pareil, il avait acheté 2 pots de crème. Il y en a un qui est périmé, du coup, l'autre on l'avait fini, mais voilà. Je déteste ça quand t'as des trucs périmés, du gâchis. Alors, je lui ai dit, pourquoi t'achètes une boîte d'œufs qui en a 30? Autant en racheter quand on a besoin et puis prendre des plus petits plutôt que de les laisser périmer quoi. C'est 8 œufs, je trouve ça quand même pas mal beaucoup. Hein. Ou sinon je peux faire courgette. Je sais pas. Je suis perdue. Mais normalement il va faire les courses demain. Enfin refaire quelques petites courses. Ouais, je ne sais pas. Parce que oui, il reste que du colin et du steak. Donc pas trop de choix. Hop, me voilà douchée, habillée. J'essaie de mettre un peu de fond de teint sur mon nez et ça commençait à peler. Alors je me suis dit, on va pas trop insister. Hein. Je n'avais pas nettoyé les plaques d'hier soir. Parce que en fait, on l'a voulu faire... Non, c'était pas hier soir, c'était hier midi. Oui, hier soir, c'est pas moi qui ai fait à manger. Hier midi, on a voulu faire en fait la purée steak pour qu'il y ait le jus du steak. Et il faut faire cuire avec du beurre. Faire cuire avec du beurre sur des poêles. Ça gicle partout. Hello, je suis bien arrivée. Donc là, je suis à un parking un petit peu loin du stage parce que tout simplement il n'y avait pas de place. En même temps, ce temps-là, c'est chaud. Du coup, je suis garée devant. Genre, il y a des. C'est dans l'ancien des magasins, il y a un resto et tout. Mais bon, encore des antennes, c'est pas possible. Du coup, j'avais mis mon écharpe, mais là, je crois que je vais la laisser dans mon sac parce que je meurs rien qu'avec ma doudoune. J'ai mis un petit pull par-dessus mon t-shirt, mais waouh, il fait plutôt chaud. Donc là, 13h06, je vais y aller parce que alors là, le temps d'aller à pied jusque là-bas. Ça va être un petit peu long, donc let's go. Je crois que je suis pas la seule à me garer là, j'ai vu d'autres personnes. Bon sinon je suis désolée, il y a du vent, mais par contre il fait beau, oh là là, ça fait trop du bien, le beau ciel bleu derrière. Je sais même plus si je commence à 13h25 ou 13h30, mais je sais que je finis vers 21h10, 11 je crois. Je sais plus exactement, mais bon. Voilà, j'ai jamais fait encore de soir, donc on verra. Et heureusement j'ai quasiment plus de courbatures, je suis encore sur mon cuisse et fesses, hein, c'est encore un petit peu, mais c'est pas du tout comme hier ou quoi, donc ça va, parce que sinon ça aurait été... compliqué pour ma journée. Donc là je vais vous laisser puis on se retrouvera sûrement ce soir dans la voiture. Après je vais pas trop filmer parce que déjà que je finis à 21h, je pense que je vais manger, c'est
Enfin d'abord faudra que je monte ce vlog parce que du coup j'ai pas pu commencer à le monter. Donc voilà, je pense que je vais pas trop filmer après. Bon bah ça y est, journée terminée et le temps a bien changé. Là il pleut de ouf, heureusement je suis protégée, mais là je vais devoir marcher longtemps sous la pluie en plus. Me revoilà. Alors mon manteau je l'ai enlevé, il est trempé, mon écharpe trempé, j'ai des gouttes de pluie qui me coulent de partout, mon sac pareil, il est trempé, j'ai de l'eau dans le dos parce que j'avais enlevé mon manteau dans la voiture bien sûr. Et donc ça a mouillé le ciel. Je pense que vous entendez la pluie, mais il pleut mais énormément. J'ai les chaussures mouillées parce que il y a des grosses flaques d'eau. Dans le noir tu vois pas forcément. Et j'ai le pantalon trempé. Je pense qu'on voit les gouttes de pluie sur ma face. Et bien sûr faut qu'il pleuve comme ça le jour où je suis garée à 2 km quoi. J'allais essayer de courir un petit peu mais bon, j'ai pas envie de me vautrer dans une flaque d'eau. Sinon je me suis fait klaxonner par un camion. D'ailleurs il y avait des haters qui utilisent des applications anonymes pour parler sur moi parce qu'ils sont très très courageux, qui m'avaient dit ouais à chaque fois que tu dis ça tu fais passer les gens, les gars de Besançon pour des chiens et tout. Bah écoutez, je vois pas pourquoi je m'amuserais à inventer des choses pareilles. Enfin bref, je vais rentrer. Du coup en fait j'aurais dû m'emmener à manger, donc j'ai mangé des tartines de beurre, quelques pâtes qui restaient et une banane, c'est génial. Donc pour demain soir je m'emmène à manger, voilà. Du coup j'ai dit à mon copain de pas me faire à manger parce que j'aurais pas faim d'un gros plat là en rentrant. Et ce soir, enfin aujourd'hui c'est Walking Dead donc je pense qu'on va regarder ça ce soir. Ouh, je suis un peu soufflée parce que j'ai marché très très vite. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser maintenant parce que j'ai quasiment plus de batterie sur l'appareil photo. Je vous laisse, demain je ne vlog pas, voilà, comme quasiment tout le temps le mardi. Et puis je vous fais de gros bisous et à plus tard pour un prochain vlog.